Aïe, c'est très grave le tout-ci. Les gars, vous dormez quoi? C'est en train de péter sur Facebook. Venez. Venez. Ah bon? Mais oui, vous n'êtes pas au courant de ce qui est passé entre les Ivoiriens et les Camerounais. Jamais. Oh là là, non, comment? Vous connaissez l'artiste Taï? Jamais de la vie. Taï, non? L'artiste qui chante pour les femmes comme ça, là, vous ne le connaissez pas? Non. Oh là là, il chante, la mère, pardon, chante un peu, on comprend. Le temps voilà. M'a réparé, plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. Voilà, merci maman, voilà donc l'artiste Taï. C'est toi, c'est vous et moi. Le monde part en couille. Si. Catastrophe, Nebaloba. Donc le gars avait concert en Côte d'Ivoire, le gars arrive. Pendant le concert, vous savez, quand on annonce parfois les grands concerts comme ça, il y a tous les gentlemen avec leurs copines qui disent « Bon bébé, pour te faire plaisir, je vais t'amener au concert de ta... » Pour se vanter, montrer au Nolo Asanga. Tu vas lire, mon ami. Donc voilà un couple qui se rend aussi au concert. Bim, ils sont dans la salle. Le concert commence, l'artiste commence à chanter. Donc, le gars là a d'abord une manière de chanter que tous les gars pleurent seulement dans la salle. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ou c'est Langa qui commence à séduire l'artiste sur scène, ou c'est l'artiste sur scène qui séduit Langa. Les regards se sont croisés. Ping-pong. On ne sait pas qui a invité l'autre sur scène. Langa se lève aussi. Bébé, je vais aller danser avec l'artiste. Ah, le gars veut jouer aussi au mignon. Comme Langa, chaque jour dans ses oreilles. Chérie, je t'aime. Bébé, sans toi, je ne peux pas vivre. Non, chérie, je te fais confiance. Va danser et tu reviens. C'est comme ça donc que le massacre commence. Langago aussi sur scène. Les coups de ring, bing. L'artiste dit que, c'est vrai que j'ai l'habitude de séduire Lingo, mais le Tutsi, c'est celle-ci qui a qui me séduit. Non, si moi je dors, c'est que vraiment, Langasi peut m'insulter après. Le gars l'occupait. Ah, wap. Tellement c'était... Sur scène. Le gars se retrouve en queue portée seulement, et pas laisser maintenant à ses danseurs, pardon, au gros bras derrière. Gardez-moi ce produit, je vais gérer ça après le concert. Ça, ce n'est même pas un truc qu'on peut blaguer avec. C'est grave. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Mon frère! Voilà donc maintenant après le concert, on voit maintenant les pleurs partout sur Facebook. C'est maintenant, ça commence même par le gars. Le gars m'a dit, franchement, mon oncle ne veut même plus de ces relations. Oh, mes deux sœurs qui sont à la maison disent que non, ne passe plus jamais chez nous, on ne veut plus jamais te voir. Pendant que ma mère dit que mon fils, fais ce que ton cœur te demande. Si ton cœur te demande de continuer avec ta copine, continue. Si tu ne veux plus, laisse. Lis-vous, la sorcellerie n'a pas la honte. Ça, c'est en tout cas... On ne peut pas même parler ça. Langa de son côté. Oh chérie, tu sais que tu es mon fiancé. C'est toi que j'aime. Je t'aime énormément. Franchement, je ne veux pas te perdre. Tu fais tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces soirées. Ouh. L'artiste aussi de son côté. Mon frère, ne laisse pas Tango tomber. Récupère. J'ai à gérer un tout. Qu'est-ce que vous parlez? Le showbiz. Mon frère, toi tu brines ta coco. Onjoka. Au concert. Elle se lève et dit qu'elle pas danser avec l'artiste. Tu acceptes quoi? Point d'interrogation. Tu acceptes quoi? Tu ne sais pas qu'il y a certains artistes là, ou bien certains boys même ici donc, qui ont le charme, qui te regardent seulement dans les yeux comme ça là. Tu tombes. Mon frère. C'est vrai. Gars, méfiez-vous. Hein. Parfois plein de gens vous disent que bébé je t'aime. Tu es tellement sûr de toi que l'amour n'existe pas. Comme elle te dit, je t'aime là. Gars, même si tu te couches au goudron, le camion passe sur toi, ça ne peut pas t'écraser, non? Tu as confirmé le tout, sinon. Méfiez-vous, hein? Méfiez-vous de certains artistes, hein? Parce que vous êtes là, vous voyez les artistes avec les yeux, nous ne savons pas ce que les gars là font. Voilà maintenant, le train passe sur Tanga, tu commences à pleurer maintenant partout. Mon frère, même si tu pardonnes, même si ça se passe après, comment? Le Ndolo là ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est clair! Tu comprends, non? Les gars, ne me blaguez pas quand vous partez au concert, quand vous sortez avec Vongo. Quelqu'un dit que j'avais un peu de... Mon frère, mets la barrière, c'est Tango. C'est toi qui investis, mon frère, mets la barrière. Ne tente pas. Mais oui, c'est clair. Toutes les pleurs que tu fais maintenant, là, ça nous regarde. Ça nous... On ne gère pas ça. Mais oui, c'est clair. Tu voulais montrer que non, chérie, non, je ne suis pas jaloux, non.
Maintenant, c'est toi qui pleures partout sur Facebook. Tu pleures encore quoi maintenant? Je te dis que... L'artiste lui a fini avec ça depuis. Mon frère, il est avec une autre ongo. C'est ça la vie d'un artiste. Mon frère, ne tape jamais la main sur la poitrine pour dire que non, je suis sud. On n'est jamais... Avec l'ingo, l'angatip aujourd'hui là, comme demain, dès qu'elle trouve l'autre bonheur qui est élevé à ce que tu lui donnes, être... Vous connaissez les femmes. Je suis dit que non, chérie, va danser avec l'artiste. La lecture de l'heure, on appelle ça la lecture de l'heure. Mais ta tête, c'est les pop-corn. Il n'y a rien de... Oui, le gars qui lit l'heure sur le calendrier. Allah. Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. C'est ça. Ne blaguez pas avec un gars, même si c'est un jour, comme c'est en boîte de nuit. Un boy vient dire que non, regarde, on m'a un peu humilié dans... Je saute avec Mango. Un boy vient faire ça. Il va lui têter comme ça, là, lui-même va confirmer que merde. Le gars, si... Oh, hier là, j'ai parlé d'une pub où j'ai parlé de manicure. Pédicure. C'était manicure, pédicure. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'était juste pour vous informer que le meilleur salon de beauté actuellement à Bafoussam, le meilleur sans concurrent, hein, de Mana House, est en train de lancer la formation. Donc, la rentrée scolaire a déjà débuté. Allez vous inscrire pour apprendre à rendre les gens beaux, belles. Vous comprenez, non? Donc, allez rapidement vous inscrire. Le nombre de places est limité. C'est tout ce que je voulais vous dire. Relevez le contact qui s'affiche en bas de l'écran là pour vous inscrire rapidement. Donc, là-bas, c'est le professionnalisme. Il n'y a pas question que... Allez, donc je parle doucement là. Parce qu'ils ne veulent pas que le voisin entende le nombre de places. Parce que les professionnels comme ça là, les endroits pro comme ça, on ne doit pas trop faire de bruit. Allez là-bas, de Mana House, c'est à Jelensé, à côté du St. James. Allez rapidement vous inscrire, les gars. Vous formez en manicure, pédicure, soins de visage, onglerie, coiffure. Allez là-bas, on va vous expliquer tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'était Info 237 du jour. On est ensemble, s'abonnez-vous. J'ai le plaisir de vous présenter l'entreprise citoyenne de Mana House. De Mana House, c'est son institut de beauté et d'esthétique professionnelle, Mana Shop and Beauty, avec pour service coiffure mix, onglerie, hammam, make-up, prise en charge des mariés, vente des produits cosmétiques, notamment les produits Karimo, formation, service à domicile. De Mana House, c'est également Mana Sono pour la sonorisation et l'animation de tous vos événements. De Mana House est situé à Bafoussam Jelen 5, à côté du St. James. Contact. De Mana House, nous prenons soin de vous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.